Le Ramadan de cette année commencera jeudi, inshallah. Ouais. Jeudi de manière sûre et certaine. Et vous verrez, tout le monde commencera le même jour. Pas parce qu'on a décidé de nous unir, hein. C'est pas pour ça, hein. On commencera le même jour parce que le croissant lunaire naîtra le mardi 16 juin à 14h05 minutes. Comme il naît à 14h05 minutes, heure GMT en Arabie, ça veut dire 17h, ils ne peuvent pas le voir le mardi soir à l'œil nu. Donc Sha'ban sera automatiquement de 30 jours, bien que le croissant soit né, mais ils ne le voient pas. Donc tout le monde va jeûner jeudi, sauf celui qui croit que la naissance du croissant signifie le début du mois. Donc ces gens-là jeûneront mercredi. Mais sinon, la majorité jeûnera jeudi. D'accord? Donc c'est un pur hasard si on jeûne ensemble cette année. La dispute et la division est reportée à la fin du mois de Ramadan. D'accord? Sahih? Elle est reportée à la fin du mois de Ramadan. Parce qu'en plein milieu du mois de Ramadan, on va remarquer qu'il nous manque un jour. Le croissant naît mardi après-midi. Donc mardi soir, il a déjà plus ou moins quelques heures. Mercredi soir, donc, il va nous manquer un jour dans la première quinzaine du mois de Ramadan. Ouais, vous verrez. Et ça continuera comme ça tant qu'on n'aura pas décidé d'opter pour la solution scientifique, logique, pragmatique, réaliste.